Erev Tov. Nous allons parler ce soir, Bezrat Hashem, de la fête de Hanouka. Exactement dans une semaine, nous serons en Hanouka. Et comme dans chaque grand événement de l'histoire, de notre histoire, de notre vie, nous devons nous y préparer. Alors, à part acheter l'huile et les mèches, on va essayer de comprendre comment se préparer, on va dire, spirituellement à ce grand moment. Je voudrais d'abord citer un texte qui se trouve dans Maoso. Bene Bina Yeme Shmona Kavu Shiru Renanim. Bene Bina Yeme Shmona Kavu Shiru Renanim. Les fils Bina, de la Bina. Bina, c'est de la compréhension. Yeme Shmona Kavu, ils ont fixé 8 jours. Shiru Renanim, pendant ces 8 jours, on doit chanter. On doit louer Hachem, remercier Hachem. Alors, je vois ici qu'il y a une définition de ceux qui ont vécu à l'époque des Hashmonaïm, on les appelle Bene Bina. Pourquoi appelle-t-on ces gens-là Bene Bina? Pourquoi ce terme-là? Ça, c'est la première question que nous allons poser. La deuxième, elle est liée à une Mishnah dans Midot, chapitre 2. Écoutez bien cette Mishnah. Lefani imenu soreg gavoa asarat fachim. Il y avait autour du Bet Amigdash ce qu'on appelle soreg. Soreg, c'est quoi? Soreg, c'est en fait une sorte de petit muret qui était fait de la façon suivante. Il y avait des petits poteaux de 60 cm à peu près, une amas, et entre chaque poteau en pierre, il y avait un petit muret qui était fait à partir de bois. C'était du bois comme de la tresse, des morceaux de bois, et donc qui fermait totalement tout passage. Et il y avait évidemment des portes, des passages ouverts. Donc il y avait ce petit muret appelé Soreg. Alors écoutez bien ce qui s'est passé. Gavo Asarat Fahim, pardon, haut de 10 Fahim, j'ai dit Unama. C'est pas dit Unama, c'est 10 Fahim. Ushloj Estre Pratsot Ayusham. Il y avait 13 endroits où il y a eu des brèches. 13 brèches. Sheperatsu Malche Yavan. Ce sont les rois grecs qui ont fait les brèches. 13 brèches. Chazru ou Gedarum. On les a de nouveau fermées. Vegazru Kenegdam. Shloj Estre Ishtachavayot. Et on a décrété que l'on se prosterne à 13 reprises. Faites très attention. Il y a, à propos, dans lorsqu'on regarde bien dans les Nissim de Hanouka, regardez dans Rambam sur Hanouka, il y a ce qu'on appelle Partsu Pratsot. Les Yevanim, les Grecs, ont fait des brèches. C'est pas très connu ça. Il y avait donc ce petit muret, ce Soreg, qui entourait, qui était à l'extérieur du Tamidash, à l'intérieur des murailles du Harabait, du Mont du Temple, ce petit muret, à quoi il servait? Franchement, pas très efficace ce petit muret, avec du bois, d'une hauteur de 10 fachim, à quoi ça sert? Un hérouf? Non. Si on a besoin d'un hérouf, on a déjà les murailles du Harabait. Donc à quoi il servait? En fait, il y avait écrit quelque chose sur ce petit muret. C'était écrit, jusqu'ici, les non-juifs peuvent aller, à partir de là, interdiction, c'est même écrit en grec, interdiction de passer ce muret. Le muret, c'était la frontière
à partir de laquelle les non-juifs n'avaient plus le droit d'entrer. Vous savez que les non-juifs ont le droit d'apporter des sacrifices. Simplement, ils amenaient les sacrifices jusqu'à ce muret, ils le transmettaient au Kohen, et le Kohen faisait le nécessaire. Mais ils n'avaient pas le droit d'aller au-delà. Donc on imagine que les Grecs n'avaient pas trop kiffé, apprécié d'être mis à l'écart. Donc ils ont cassé et ils ont fait 13 brèches dans ce petit muret. Ces 13 brèches ont été colmatées, d'accord, on a colmaté les brèches, mais on a gardé en souvenir 13, il faut se prosterner à 13 reprises. 13 reprises pour rappeler ces 13 brèches. Franchement, à quoi ça sert? Pourquoi rappeler les 13 brèches? À quoi ça sert? Pourquoi ces 13, on se prosterner 13 fois? Qu'est-ce qu'on veut rappeler ici? En quoi ce symbole des Grecs qui sont énervés, gênés par ce petit muret, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, dont il faut se souvenir toutes les générations qui vont suivre? Ça, c'est la question. Deuxième question. Et la troisième question, nous allons, Bezrat Hashem, essayer d'expliquer le terme Nefesh Chaya. Alors, le mot Nefesh Chaya, vous n'allez pas comprendre pourquoi au départ je veux en parler, vous le comprendrez par la suite. Je vous invite à regarder à la page 3. À la page 3, c'est écrit à la référence 3. Bepasuk al yitzirat chaye adam nemar vayipach be'apav nishpat chayim vayi adam le nefesh chaya. Il a insufflé dans ses narines une âme de vie et l'homme devint nefesh chaya. Shmo shel adam kshu chay ou nefesh chaya. Un homme vivant est appelé nefesh chaya. Qu'est-ce que ça veut dire nefesh? On appelle nefesh chaya, une âme vivante. C'est quoi nefesh d'abord? Perush amila nefesh ze ratzon. Kach nemar im yesh nafshechem likvor et meti. Qu'est-ce que dit Abraham au bnei chet? Il leur dit im yesh et nafshechem. Que veut dire im yesh et nafshechem? Nefesh ici, ça veut dire volonté. Si vous voulez me permettre d'enterrer ma femme, je l'enterrerai ici. Donc le mot nefesh dans ce contexte veut dire volonté. Ensuite, on trouve dans Rashi dans Brachot d'Afé, Maya nefesh zut fila. Comment je l'aimais, vaishpor et nafshi lifne Hashem. Nefesh désigne la tefila. Pourquoi nefesh ça désigne la tefila? Parce que, qu'est-ce que c'est que la tefila? C'est ce que j'ai envie. Je demande à Kadosh Baruch Hu, je dis j'ai envie de ci, j'ai envie de cela, je veux des choses. Donc la tefila est appelée nefesh, c'est l'expression de mes volontés, de ce que j'attends. Donc nefesh ici, c'est dans le sens volonté, ratson. Et vous avez une autre sens à nefesh, vayom hashvi'i shavat vayinafash. Dans la page 3, référence 1, le septième jour, Shabbat, il s'est reposé, Vayinafash. Vayinafash, il s'est reposé. Donc Vayinafash, Nefesh, toujours le terme, même terme, veut dire se reposer, Menucha, repos. Donc vous avez Ratson, volonté, et vous avez repos. Dans la référence 2, Bimkomot Rabim Nikret Nefesh Achaya Kavod. Le Nefesh est appelé Kavod. Kavod, c'est quelque chose de respectable. Comme c'est écrit dans Tehilim, Le Man Yezamercha Chavod. Oura Kevodi. De qui parle-t-il, David Ameller? Il ne parle pas du Kevodi. C'est qui Kevodi? C'est la partie honorable qui est en moi. C'est mon Nefesh. Nefesh, c'est ce qui mérite du Kavod. C'est la partie qui est appelée également Kavod. Donc on a ici trois sens au mot Nefesh. On a Vayinafash, le repos, Menucha. On a Nefesh qui veut dire Ratson, volonté, Mieshet Nafshechem, Tfila. Et on a troisième sens, Kavod. Kavod. Menucha, Ratson. Bizarre, ces trois termes, ces trois choses qui n'ont pas l'air de coller les uns aux autres. Donc je résume. Je vous ai posé trois questions. La première question, c'était pourquoi on appelle les Hashmonaïm Bnei Bina, les fils de Bina, pourquoi est-ce qu'ils sont liés à la dimension de la Bina. La deuxième chose, pourquoi est-ce que l'on marque avec tellement d'insistance les 13 brèches qui ont été faites dans le Soreg, dans ce petit muret qui entourait le Beth Amikdash. Et troisième question,
pourquoi le terme nefesh a-t-il trois sens qui ont l'air absolument pas liés l'un à l'autre, absolument pas compatibles les uns aux autres? C'est bizarre que le même terme ait des sens aussi différents que le mot nefesh. Ça, c'est pour la partie des questions. Et maintenant, nous allons passer à la partie des réponses, des explications. Alors, je voudrais ici donner un commentaire que donne le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est un livre de Chassidut qui dit la chose suivante. Écoutez ce que dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar nous dit que Issachar, justement, la tribu d'Issachar, Issachar, d'abord le papa Issachar, il est, vous le savez, comment est-ce qu'il est né? On va se rappeler un petit peu comment est-ce qu'il est né. Quelle est l'histoire un peu de sa conception d'abord? Comment est-ce qu'il a été conçu? Là, vous avez à la page 2 l'histoire. Vayeler Reuven, bimei ketzir chitim. Reuven étant allé au champ à l'époque de la récolte du froment, vayimtzeu dudaim basade. Il trouva des mandragores, vayave otam el leaimo, et les apporta à Léa sa mère. Vatomer Rachel el Léa, Rachel dit à Léa, Tenina li midudo ebener, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Vatomer la, elle lui répond, Ameat karter chetishi, c'est Léa qui répond à Rachel. N'est-ce pas assez que tu sois emparé de mon époux, vela kachav gam et douda ebeni, sans prendre encore les mandragores de mon fils? Vatomer Rachel, lachen, ishkavimach, laïla, tacha douda ebener. Rachel reprit, bien, il reposera cette nuit avec toi, en échange des mandragores de ton fils. Il y a ici un troc qui est fait à partir d'un bouquet de fleurs, d'accord? Normalement, c'est Rachel qui doit être avec Yaakov cette nuit-là, et Rachel a dit, en échange du bouquet de fleurs, eh bien, tu auras mon mari. Il me revenait ce soir, ben il sera avec toi ce soir. Marché conclu. Comme vous allez voir, Léa, elle est très pressée de l'annoncer à Yaakov. Il lui dit, Vayavo Yaakov inasadé, Jacob revenant des champs le soir, Bairel, va tetse Léa likrato. Léa sortit à sa rencontre, à Tomer, et laïtavo. Elle lui dit, c'est à mes côtés que tu viendras. Kisachor secharticha bezoudre beni, car je t'ai retenu pour les mandragores de mon fils. Vaishka ima velaïlaou. Il repose après d'elle cette nuit-là. Ça veut dire qu'elle vient, et elle dit des choses un petit peu, on va dire, un peu crues, on va dire comme ça. C'est pas trop de dire comme ça. Bon, ce soir, on est ensemble parce que je t'ai acheté. Je t'ai loué. On ne pas acheté, loué. Donc elle lâchonne sachar. Yesh sachar, yisachar. C'est-à-dire, en fait, il y a ici une location. Je t'ai loué. Il faut venir ce soir chez moi. Vaishma Elohim el Léa. Vatahar vateled Yaakov ben Chamishi. Le Seigneur exauça Léa. Elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Tomerlia, Nathan Elohim Schari, Asher Natati Shifrati, Leishi, Vadikra Shemo Issachar. Léa dit, Akadosh Baruch Hu m'a récompensé d'avoir donné mon esclave à mon époux, et elle lui donna le nom d'Issachar. Je vous rappelle qu'avant, elle avait également fait un autre troc. Qu'est-ce qu'elle a fait comme affaire? Elle a dit à son mari, tu vas aller avec ma servante. Et par le mérite du fait que tu vas aller avec ma servante, Hachem me donnera un fils. Donc elle dit, Issachar, Yessachar, il y a une récompense. J'ai fait un effort, j'ai donné à mon mari ma servante, donc voilà la récompense. Maintenant, comme elle a aussi les mandragores, le bouquet de fleurs, qu'est-ce que ça lui a donné le bouquet de fleurs? Zevulun. Zevulun, c'est le deuxième fils. Premier fils, Issachar, c'est parce qu'elle a donné sa servante. Deuxième fils, Zevulun, parce qu'elle a donné le bouquet de fleurs. Voilà le pshat, l'explication simple de ce verset. Vous allez me dire, quel est le rapport avec Hanouka? Vous avez raison, mais attendez un petit peu. Donc on a ici une histoire qui s'est passée à l'époque des Ketzir Chitim. Ketzir Chitim, ça veut dire la moisson du blé, du froment. On est donc à l'époque de la conception de Issachar. Issachar a été conçu, selon le Bnei Issachar, à Shavuot. Il a été conçu à Shavuot, et vous devinez quand est-ce qu'il est né? À Hanouka. Issachar est conçu à Shavuot, et Issachar va naître à Hanouka. Or, qui c'est Issachar? Quelle est sa qualité, Issachar? Qu'est-ce qu'on peut dire de Issachar? Qui est-il, Issachar? Regardez à ce que dit Issachar, c'est dans Zota Beracha, vous ne l'avez pas devant vous, excusez-moi, c'est écrit dans Zota Beracha, c'est les bénédictions de Moshe Rabbeinu sur les Shvatim. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il nous dit, à propos de Issachar et Zevulun, Velizvulun Amar, Smach Zevulun Betsetecha, à Zevulun dit, réjouis-toi Zevulun lorsque tu sors, Veissachar be ohalecha. Et Issachar, réjouis-toi dans tes tentes. Explication de Rashi, vous le savez tous, que Zevulun a fait une association avec Issachar. Zevulun fait des affaires et le produit, d'accord, les bénéfices,
l'argent qu'il va gagner, eh bien, il le partage avec Issachar pour que Issachar puisse étudier, et lui, Zebulon, il travaille. On partage un travail et l'autre, il étudie. Mais Rashi ajoute aussi, réussis dans ta tente lorsque tu étudies la Torah, l'échev ou la berchanim. Qu'est-ce que fait Issachar? Issachar, c'est un spécialiste pour rajouter un mois de Hadar. Vous savez qu'il y a des mois, des années où il n'y a pas 12 mois, il y en a 13. D'ailleurs, c'est cette année, il y aura 13 mois, puisqu'il y aura 2 mois de Hadar. Et il faut savoir quelle année on ajoute un mois de Hadar et quelle année on ne l'ajoute pas. Alors aujourd'hui, on ne se casse pas la tête, puisqu'aujourd'hui, on a un calendrier qui est préparé jusqu'à la fin du Mashiach. Donc il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, c'était le Sanhedrin qui devait se réunir et qui devait fixer et décider si cette année-là, on allait ajouter, oui ou non, un mois de Hadar en plus. Et qui était le spécialiste pour faire cette fixation? C'était Yissachar. Et c'est Rashi qui le dit dans Zot HaBeracha. Il nous dit, Velikvo Chodashim, Komo Sheneemar. Alors là, il cite un verset dans les Divrei Hayamim, Umibne Yissachar, Yodae Bina. Les fils de Yissachar, Yodae Bina. Laitim. Ils ont la Bina qui leur permet de savoir à quel moment il faut rajouter le mois de Hadar et à quel moment ce n'est pas nécessaire. Yod'e Bina. Issachar dans Divrei Hayamim sont appelés Yod'e Bina. C'est rapporté dans Rashi, dans Zot HaBeracha. Donc on a ici quelque chose de très intéressant, c'est qu'on trouve le terme Bina, on le trouve à propos de Issachar, et on le trouve à propos des Hashmonaim, Bene Bina. N'est-ce pas? On a vu dans Maotsur, Bene Bina. Deuxième chose étonnante, c'est que Issachar, il est conçu à Pessah, à Shavuot, et il va naître à Hanouka. Encore un lien. Ce qui m'a permis de réfléchir avec le Bnei Issachar et de découvrir quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais pour cela, il va falloir qu'on passe quelques minutes ensemble à bien comprendre ça. Mais juste, on a bien compris ici à Issachar, il est lié à Hanouka. Un, parce qu'il est né à Hanouka. Deux, parce qu'il s'appelle Yodé Bina. Yodé Bina. Il a quelque chose qui est lié à la Bina. C'est quoi Bina? C'est quoi ça? On va essayer d'expliquer. Mais avant d'expliquer tout cela, je voudrais d'abord essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec Léa. Cette histoire de Léa avec Yaakov, c'est quand même un sujet qui m'a interpellé. Regardez à la page 3, référence 7. Le Sforno, sur ce chapitre-là, nous dit « Le Tsuya l'ifne akel idbarar bishtadlutan ve'achnasat atzavot » On voit qu'Akadosh Baruch Hu a agréé les efforts qu'on fait les imaot, c'est-à-dire les matriarches, be'achnasat atzavot, en faisant rentrer dans la famille leurs servantes qui sont appelées des tzarot, en fait des concurrentes. C'est vrai que c'est pas évident d'amener à son mari à une autre femme. C'est pas évident. Akadosh Baruch Hu apprécie. Et il répond, Vinyan Adudaim Nishmea Tfilatan Alze. On a écouté leur prière. Kiraou il a tzadik, Sheyasi Ishtadut Ativi, Haefsharet Slolasi Krepso, Vinzeit Palel. Un tzadik qui doit faire la Ishtadut, c'est-à-dire les efforts physiques, les efforts d'ordre matériel, et après prier. Sheyasi Gatachlit Koromzal, Shakadosh Bokhu mit Ave le Tzilatan Shel Tzadikim. Akadosh Bokhu aime la prière des Tzadikim. Vaishkav Ima Balay Laou. Midato. Très bien cette phrase. Yaakov, là, il y va de plein gré, de bon cœur. Il va vers Léa, Midato. Biroto, en voyant, Zrizut Léa, la zèle de Léa, Vetov Kavanata Vazé, et ses bonnes intentions. C'est ce que je vais vous dire là maintenant. Vous êtes bien d'accord avec moi? La première fois que Yaakov va avec Léa, ça se passe dans une situation totalement différente. Sauf que, encore une fois, Yaakov, il devait être avec Rachel. D'accord? Yaakov devait être avec Rachel. Et avec qui il se retrouve? Avec Léa. Et qu'est-ce qui va naître de ça? Réhouven. N'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, est-ce que Yaakov, il est mis d'un tour? Yaakov, il est d'accord? Oh là là, Yaakov, il n'est pas d'accord du tout. Il s'est fait berner. Il s'est fait avoir par Lavan et Rachel qui a aidé Lavan aussi. On est d'accord? Ici, il y a un retournement de situation. Vous avez Réhouven qui amène un bouquet de fleurs. N'est-ce pas? Rouven, il amène un bouquet de fleurs. Et qui voit ce bouquet de fleurs? Rachel. Rouven, à qui il l'amène? À sa maman, à Léa. Et Rachel, elle le voit. Rachel, elle dit,
Bon, donne-moi ce bouquet de fleurs. Alors là, elle dit, déjà, tu me prends mon mari, tu vas me prendre les fleurs de mon fils. Alors il se trouve que les bouquets de fleurs deviennent, de Réhouven, bizarre, Réhouven, devient la monnaie d'échange pour que cette fois-ci, ce soit Léa qui de nouveau prenne la place de Rachel. Alors elle va de nouveau prendre la place de Rachel. Mais là, ça ne va pas se faire par derrière, ça va se faire avec un accord plein entier. Là, Yaakov dit Midato, il est d'accord. Là, il dit oui, j'apprécie. Pourquoi il apprécie? Parce qu'il se dit, tiens, cette Léa, elle a tellement envie, elle en veut tellement. Alors Yaakov dit, moi je craque. Elle veut tellement, je vais avec elle de plein gré. Et là, Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose de nifla, d'extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Vous savez tous qu'il y a 12 shvatim, il y a 12 tribus. Il y a combien de femmes? 4. Normalement, chaque femme, si on fait un petit calcul rapide, devrait avoir 3 enfants. 3 fils, 3 fois 4, 12. Donc déjà, Rachel, Léa, elle a combien? Elle en a 4. Elle a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Elle s'est arrêtée. Après Yehuda, elle n'a plus d'enfants. Normalement, ce qu'elle aurait dû dire, Léa, j'ai 4 enfants, c'est déjà plus que 3. Donc, j'ai ma part, et là, ça y est, stop. Et qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Elle dit, non, ça ne suffit pas. J'en ne veux pas 4, j'en veux plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord donner sa servante. Ensuite, elle va prendre les fleurs de son fils et les donner à Rachel. Ça veut dire quoi? C'est que Léa va attendre et vouloir plus que ce qui normalement lui revient. Elle a une telle envie d'avoir des enfants qu'elle va faire énormément de choses qu'elle n'est pas obligée de faire. Ça y est, t'as tes 4 fils, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux là? Elle ne s'arrête pas. Elle veut avoir des enfants, d'accord. Rabota, ici, je voudrais vous apprendre un premier yesod ce soir. Ici, on apprend qu'il peut y avoir des choses qui normalement ne devraient pas nous revenir, que l'on peut attraper et prendre, je dirais, presque de force. Je m'explique, de force. Je vais vous raconter une histoire qui m'a énormément marqué. Je voudrais que vous l'écoutez bien, cette histoire, parce que vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Regardez bien. Vous avez entendu parler du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il s'appelle Rav Yitzhak Zev Soloveitchik. Il a vécu d'abord à Brisk, et puis à la fin de sa vie en Israël. Il est mort, je crois, à peu près au 1960, également. Ce Rav s'était connu pour être un des plus grands Talmid Chacham de la génération. Les plus grands Talmid Chacham, les plus grands sages de Torah, venaient lui parler en Limoud. Chaque fois qu'il sortait, il disait, ah, quelle explication, quelle profondeur, quelle analyse, quelle finesse. Bref, ils étaient tous par terre. Et parmi les grands chassidim, les grands fervents du Rav de Brisk, il y avait le Rav Shach. Le Rav Shach, il s'adorait mutuellement. Bon. Et un jour, les élèves, mais le Rav Shach, c'était connu qu'il avait, lorsqu'il avait une question, je l'ai vu moi-même, lorsqu'il avait une question, il ne buvait, ni mangeait, ni dormait, ni l'idée, dans sa question, il n'y avait rien. Et tant qu'il n'avait pas une réponse satisfaisante, il était sans dessus-dessous. Il n'avait pas même à continuer à vivre. Bon. Un jour, le Rav de Brisk, devant ses fils, il leur fait un beau ridouche, une belle explication sur un Rambam. C'est des spécialistes d'explication du Rambam. Un beau pérouge, une belle explication sur un Rambam, sur une Mara. Et les enfants, ils entendent leur père dire, cette explication, c'est celle de Rav Shach. Ils disent, non, Rav, papa, on est bien d'accord, c'est toi qui l'as dit. Non, c'est moi qui l'ai dit, c'est vrai, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je la dois à Rav Leizer. Il appelle ça Rav Leizer, parce qu'il s'appelle Eliezer. Rav Leizer Shach, pourquoi? Parce qu'écoutez bien ce qui s'est passé. Écoutez, c'est une histoire, mais qui révèle beaucoup de choses. Il dit, en fait, j'avais fait la soulia, j'avais terminé l'étude de la Gemara, et j'avais une explication. Et j'avais une explication. Mais je me suis dit, si lorsque le Rav Shach va venir, il va me demander, poser la question, je sais qu'il va me poser la question. Et la réponse que je vais lui donner, je sais qu'elle ne va pas le satisfaire, je sais qu'il ne sera pas content, il va faire la tête, il va dire, ah, il ne sera pas content. Je me suis dit, j'ai travaillé dur pour comprendre ce truc, mais je sens qu'il ne sera pas content, je vais recommencer tout à zéro. Alors voilà, le Rav de Brisk s'est remis à étudier le sujet depuis le début pour faire plaisir à son élève, le Rav Shach. Effectivement, le Rav Shach, lorsqu'il est arrivé, il était content. Ah, ça, c'est une explication, il était heureux, il était... Bon. Il a dit à ses fils, cette explication, je la dois à lui. Pourquoi? Parce que je sais combien la Torah est importante à ses yeux, mais surtout combien cette explication, la première que j'avais, ne lui aurait pas suffi. S'il n'y avait pas eu cette attente de cet élève,
Jamais je l'aurais refait, j'aurais trouvé les forces pour recommencer tout à zéro et tout reprendre à zéro. J'aurais pas les forces. Je la dois à lui parce que j'ai un élève qui me lâche pas. Donc je suis obligé de sortir, je suis obligé de dire quelque chose de bien. À votre avis, écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Léa, elle ne devait pas avoir Issachar. Léa ne devait pas savoir Zevulun, ni Issachar ni Zevulun, c'était pas prévu. Les quatre premiers, les avaient facilement, on a vu. Ah, là, tac, tac, les uns après les autres, c'est bon. Tout d'un coup, elle s'arrête avec Yehuda. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, Léa? Elle aurait dit, bon, stop, ça, j'ai quatre fils, il y a aussi d'autres femmes, ça y est, stop. Bien. Moi, je veux plus. Je ne lâche pas. Donc, elle était voir son mari, elle lui dit, prends-moi ma servante, prends les doudaïm. Elle lâche pas, elle demande, elle lâche pas. Elle a arraché littéralement son cinquième fils et son sixième fils. Elle les a arrachés. Comme si on les arrache de force. À qui elle l'a arraché? Elle l'a arraché à son mari et à Kadosh Baruch Hu. Parce que la première fois où Yaakov Avinu va vraiment avec sa femme Léa, de plein gré, avec plaisir, midato, c'est cette fois-là. Parce que là, il dit, franchement, elle en veut vraiment. Elle veut vraiment avoir des enfants avec moi. Je sens qu'elle est très motivée. Et je sens que ce n'est pas pour se faire un nom. C'est vraiment parce qu'elle aime, elle a envie d'être la maman de tout le clan Israël. Donc je dois lui répondre. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, une femme qui a une telle attente, il faut lui répondre. Il faut lui donner. Et Yissachar est le fruit, Yeshachar. C'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu à cet effort, cette demande, cette attente. Cette attente qui va au-delà du nécessaire. Je veux absolument avoir. Là, finalement, on te le donne. C'est ça. À votre taille, combien de choses on n'obtient pas parce qu'on ne demande pas. Mais pas parce qu'on ne demande pas. C'est qu'on pourrait avoir des choses. Akadosh Baruch Hu, on a des choses. Mais on a envie. Plus. Tu veux plus, Akadosh Baruch Hu te donne plus. Mais il faut avoir les forces de demander plus. Lorsqu'on a déjà pas mal. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est un élément fondamental. Yesh Sachar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yissachar symbolise, il est le produit de quelqu'un qui a demandé plus que nécessaire, qu'il a obtenu parce qu'il a, qui m'a, on peut dire, arraché la chose. Et finalement, elle est arrivée, bon gré mal gré, à séduire son mari, si on peut dire, et qu'une fois son mari est allé avec elle, de plein gré, il dit, bon, ça y est, tu vois, je suis ému par cette volonté, je suis venu par Léa, j'y vais. Et Yaakov, il y va pleinement. Elle va donner naissance à Issachar, qui est Yod Ebina. Quelle est sa force à Issachar? Il fait le mois de Hadar en plus. Vous savez ce que ça veut dire faire un mois d'Hadar en plus? Ça change un mois d'Hadar en plus, en moins, c'est difficile, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez tous que s'il n'y avait pas un mois de Hadar en plus, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait exactement ce qui se passe avec le Ramadan. Vous savez que le Ramadan, il tombe chaque fois dans une autre période de l'année. Nos Pessah, qui tomberaient en hiver, en plein été. Akadosh Baruch Hu a dit, je veux que Pessah tombe au printemps. Donc il faut adapter les mois lunaires, le cycle lunaire, avec le cycle solaire. Qu'est-ce qui permet de lier le cycle lunaire au cycle solaire? C'est quoi? C'est le mois de Hadar. Et qui fixe ce mois-là? Issachar. Issachar est celui qui va relier, accrocher la lune au soleil. Le cycle lunaire au cycle solaire. Qui va le faire? C'est Issachar. Et pourquoi Issachar est capable de faire ça? Parce que Issachar, il est celui qui est Mechaber, qui relie lune et soleil. C'est quoi la lune et c'est quoi le soleil? C'est toute une symbole, un symbolique très importante. C'est le lien entre Mashpia et Mushpa, c'est-à-dire le lien entre celui qui donne et celui qui reçoit. Le soleil donne et la lune reçoit. Or, qu'est-ce que c'est Issachar? C'est lorsqu'il y a une femme qui s'appelle Léa, qui est sans arrêt en train de vouloir recevoir Yaakov. Elle attend Yaakov, elle veut aller avec Yaakov, et elle veut que cette relation avec Yaakov soit féconde. C'est celle qui est comme la lune, qui va absolument recevoir du soleil. Ça, c'est Léa. Et elle reçoit le fils qui va relier le cycle lunaire au cycle solaire. Ça, c'est la force de Léa. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Ça, c'est la dimension de Issachar. Issachar, ce sont des personnages. On sait qu'ils étudient la Torah avec force. Et ils arrivent à faire partie du Sanhédrin. Rachid dit là-bas qu'ils sont aussi partie du Sanhédrin. Alors, si vous avez bien compris tout cela, on a bien avancé pour comprendre ce qui se passe à Hanouka. À Hanouka, il se passe quelque chose d'extrêmement important. Et je voudrais ici qu'on le comprenne tous, les Hachem, très bien ce soir. C'est un chidouche que je pense, jamais compris. J'aimerais vraiment qu'on partage ça ensemble. À Hanouka, vous le savez tous, vous connaissez tous un peu l'histoire. Il y avait en fait des personnages un peu étonnants
Et je voudrais qu'on lise un verset dans la page 2, tout en bas, dans Devarim, chapitre 33. Barech Adonai Chelo, Ufoal Yadav Tirse, Mechatz Motnaim Kamav, Umesanav Minyekumun. Bénis Seigneur ses efforts, et agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses agresseurs, de ses ennemis, pour qu'ils ne puissent se relever. Ça se trouve dans Zot Averacha. Et Zot Averacha, c'est la bénédiction de Yaakov à qui? À quel fils? Lévi. Bonne réponse. Il s'agit de Lévi. Et que dit Rashi sur Barech Hashem Chelo? Ra'a she'atidim chashmonaim banav leilachem imovdei kochavim. Il a vu que les chashmonaim allaient faire la guerre. Vitpalel aleim. Il a prié pour eux. Pourquoi? Le fils Shayou Mouatim. Ils étaient peu nombreux. Combien il y avait de chashmonaim, messieurs? Combien de chashmonaim il y avait? Combien de chashmonaim? Yudbet ben chashmonaim. Il y en avait 12. Ve'elazar. Plus Elazar. Ça fait 12 plus 1, 13. Kenege Kama Revavot. Ils étaient 13 en face de myriades. Revavot, c'est des myriades. Hachem dit, bénis cette force, ils ont besoin de bénédiction là, franchement, à 13 contre des dizaines de milliers de personnes, je pense qu'il faut quand même avoir pas mal de force. Eh bien, ils prennent ça de la bénédiction de Yaakov. 13 contre des dizaines de milliers. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie-là? C'est quoi? C'est du suicide. Moi, je dis, c'est du suicide. Franchement, c'est du suicide. Ils vont se lever à 13 contre une armée. C'est ridicule. Il vaut mieux rester à la maison. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Pourquoi ils le font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon. Vous avez bien entendu ça? Attention, parce que le chidouche, il arrive maintenant. Il y a un Rambam à la fin des Ilchot Shmita Veyovel. Ce Rambam, il faut tous qu'on le connaisse par cœur. Écoutez bien ce que dit Rambam. Lama lozacha Lévi ben nachalat Eret Israël ou bebizata. Pourquoi est-ce que la tribu de Lévi n'a pas eu de part en Eret Israël ou bebizata ni dans le butin? Imecha avec ses frères. Mipne shehuvdal laavod et Hashem le shorto. Parce qu'il a été écarté des autres pour servir Hashem, le servir. Ou le horot dracha vaisharim pour enseigner la Torah. Ou Mishpata Vatsadikim, Shenemar, Yoru Mishpatecha Ale Yaakov et Toratra l'Israël. Le rôle de Lévi, c'est de faire le service au Beth Amikdash, et le rôle de Lévi, c'est d'être les enseignants dans le peuple juif. Lévichra Rouvdelou Midarke Olam. C'est pour ça qu'ils ont été séparés des chemins du monde. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'obligation physique. C'est-à-dire, Lohim Milchama, ils ne vont pas en guerre. Kesha Israël. De Lomon Khalim, ils n'ont pas de part, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas reçu des champs. L'ozochim latzman bekoar gufan, elahem chel Hashem. C'est l'armée d'Hashem. Shenema barech Hashem chelo. C'est l'armée d'Hashem. Vehu baruchu zochel lahem shenemini ani chelkecha venachalatecha. Vous entendez bien? Ils ne font pas la guerre. Ils ne vont pas en guerre, ces gens-là. C'est des gens qui sont dispensés du service militaire. Ce sont des gens qui n'ont pas de terrain. Ils ne travaillent pas. Alors de quoi ils vivent? Eh bien, ils vivent de là, du maaser rishon. La dîme que les Juifs leur donnent. Velo Shevet Lévi Bilvad. Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi. Et la kol ish vaish mikol bayolam. N'importe quelle personne, juive évidemment, mikol bayolam, de tous ceux qui viennent dans le monde, c'est-à-dire kol bayolam, asher nadvar uchoto, qui sent une vocation, une envie, l'envie de se donner. Cet homme, il ressent au fond de lui une vocation. Il a envie de servir Hachem. Il a envie de le servir à 100%. Il n'est pas Lévi. Il n'est pas Lévi. Il n'est pas Cohen. Il est Monsieur Israël. Monsieur Israël, classique. Et il sent l'envie, une vocation. Il a envie de servir. Et il va droit, dans une façon droite, comme Akadosh Baruch Hu l'a fait. Uparak me'al tzavaro ol ha'cheshbonot ha'rabim. Il a enlevé le jour des nombreux calculs. Asher bikshu bnei adam, arzenit kadesh, kodesh kodashim. Il est kodesh kodashim. Vous entendez cette phrase? Ve'yashem chelko v'nachalato le olam ulolme olamim.
Akadosh Baruch Hu sera sa part pour toujours. Veizake lo ba'olam hazeh davar maspik lo. Akadosh Baruch Hu lui donnera dans ce monde quelque chose qui lui suffira. Kamo shezacha la'kohanim la'leviim. Voilà. Vous entendez cette phrase? Ici, Rambam nous dit que le tribut de Lévi a été écarté du reste du peuple juif. Ils n'ont aucune obligation militaire, ni aucune obligation au niveau économique. Ils sont soutenus à 100% par le reste des tribus d'Israël. Et ce n'est pas que la tribu de Lévi, c'est tout être humain. Alors être humain, c'est pas juste, c'est Rikol Bayola, c'est vraiment pour dire c'est être humain. En tout cas, parlons maintenant des juifs. Tout juif qui viendrait et qui dirait « Je veux m'adonner totalement au service d'Hachem. Je veux donner ma vie pour le servir. Je ne veux rien faire d'autre. » Akadosh Baruch Hu lui donnera à lui aussi sa part pour qu'il puisse étudier la Torah tranquillement et servir Hachem tranquillement. Est-ce que c'est clair? Nitkadesh Kodesh Kodashim. Voilà ce que nous dit ici Rambam. Alors pourquoi ça m'intéresse? C'est écrit Barech Hashem Chelo. C'est l'armée d'Hachem. Ça veut dire en clair que les Lévites n'ont rien à faire, n'ont pas de guerre à faire, c'est pas leur rôle de faire la guerre. Or les Hashmonaïm sont qui? Ce sont des Kohanim, donc des Lévites. Donc, comment se fait-il que les Hashmonaïm font la guerre? Pourquoi font-ils la guerre, les Hashmonaïm? Ah, Bataille, écoutez bien. Là, je voudrais vous dire un chidouche. En vérité, les Hashmonaïm, je pense que si on les avait interrogés avant de commencer leur guerre, on leur aurait dit, messieurs, vous faites quoi là exactement? Expliquez-nous. Vous êtes 13, ils sont des dizaines de milliers, vous faites quoi? Vous allez à la boucherie, quoi, c'est ça, prenez un pistolet, tirez-vous une balle dans la tête, ça sera plus rapide. Réponse de ces gens. Si on pouvait les interroger, ils auraient dit quoi? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit que c'est très simple. Nous, on n'est pas une armée. C'est vrai. La preuve, Rambam dit, c'est pas notre rôle. Alors c'est quoi votre rôle? Alors qu'est-ce que vous faites là? Là, on veut apprendre à enseigner une halakha à tout le clan d'Israël. Écoutez bien cette halakha. Lorsque on étudie la Torah, eh bien, il faut étudier le 6e chapitre de Pirkei Avot. Et dans le 6e chapitre de Pirkei Avot, on nous dit Barbaim Ushmona Kinyanim Torah Niknit. La Torah est acquise avec 48 Kinyanim. Pour l'acquérir, il faut s'associer de 48 moyens d'acquisition. Est-ce que vous les connaissez, les 48 par cœur? Non, moi non. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est écrit parmi les 48? Miout Shena, peu de sommeil. Pourquoi pas? Oh, moi, je veux dormir tranquillement, je fais mon seder, je suis tranquille, voilà. Moi, je suis très sérieux dans les Shiva, je fais de 9h à 13h, après je fais ma sieste, je reviens à 15h30, c'est en général les horaires des Shiva, jusqu'à 19h30, voilà, c'est là. Après, je fais une petite coupure, après jusqu'à 10h, 22h, 22h30, je suis ma miouchena, je dors 8h. Je suis en train de dormir 8h. Quel problème? Pourquoi c'est écrit miouchena? Il n'y a pas écrit que Miouchena, peu d'homme, peu de sommeil. C'est écrit aussi qu'il faut réduire plein de choses. Je ne fais pas ici la liste. Pourquoi est-ce qu'il faut réduire? Pourquoi il faut un Miouch? C'est quoi cette folie-là? Rabota, écoutez bien. Lorsque vous voulez montrer à quelqu'un que vous l'aimez, il vous demande de faire quelques folies pour lui. Vous sentez que pour faire montrer l'amour, il faut qu'on fasse des folies. Si on ne fait pas de folies, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Si c'est tout très bien réglé, c'est très raisonnable, c'est machin, dit bon. Madame se dit, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Monsieur dit, est-ce qu'il m'aime vraiment? Il faut un petit peu de folie, un petit truc. Par exemple, on revient à la maison, on amène un truc très cher, hein, une très belle bague. On dit, mais attends, c'est quoi? C'est de la folie ce que tu as fait là? Elle dit, oui, c'est de la folie. Tu la payes très cher? Oui. On n'a pas les moyens? Oui. On n'a pas les moyens. Mais comment tu montres que je t'aime si je fais un calcul, voilà, il me reste à la fin du mois 50 €, voilà, j'ai acheté un truc en toc à 50 €. Bon, c'est ce que j'avais les moyens, je fais ça. Ça ne marchera pas, ce mariage. Parce qu'elle dira, mais où est l'amour? Où est l'amour? Il n'y a pas d'amour ici. Il faut un brin de folie. Il faut aller au-delà de ses limites. N'est-ce pas? Ici, les Hashmonaïm, ils ont dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé ce qu'il nous a envoyé pour une seule raison. C'est qu'on était toujours en train de dire, on va faire ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Mais ni plus. On fait ce qu'il faut. Donc, si on fait ce qu'il faut, et juste ce qu'il faut, Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas la peine. On arrête là. Je veux voir chez les Hashmonaïm qu'on va au-delà de ses limites. Je vais prendre un exemple très simple. Si on avait interrogé Rav Ovadia Yosef, on est encore dans l'année de son décès. C'est un monsieur très intelligent. C'est un monsieur qui comprenait vite.
il aurait très bien pu aller se coucher à 11h du soir, se lever à 7h du matin, tranquille. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire des nuits blanches, en rajouter par-ci, en rajouter par-là? Après, c'est, tu mets en danger ta santé, c'est une question. Jamais il serait devenu Rav Odia Yosef s'il n'avait pas, il n'était pas allé dans la folie, s'il n'était pas allé au-delà de ses limites. Le Rav Odia écrit dans son, lorsqu'il décrit le Gadol et Israël, le grand Israël, ce qui le définit en premier, avant toute chose, c'est la Yegia, les efforts, mais surhumains, dans la prière, dans l'étude. Il écrit que le maître de son maître, il avait pris sur lui, il avait déjà du mal à comprendre, mais bon, 8 heures d'affilée, 2 fois par jour, d'études. Hein. Et chaque prière, chaque Amida, la Shemona Esrei, c'est Rassim Francis de Kalem qui était ça, 8 heures d'affilée, 2 fois par jour, plus la Amida, ça prend 1 heure. Alors il y a 3 Amidot, Shachari, Minchari, 3 heures. Donc vous avez 16 plus 3, vous avez 19. Combien il reste déjà pour dormir, manger, faire tout le reste? Et à part ça, la Amida, il y a aussi avant et après quand même. Bon, alors on va dire qu'il allait plus vite, mais... Alors, le Rav dit, c'est difficile à croire, difficile à imaginer. Comment quelqu'un peut prendre sur lui 2 fois 8 heures d'affilée? C'est pas... Enfin, c'est ce qu'il écrit dans son livre. La Yegia, incroyable. Et c'est quoi cette Yegia? C'est pas parce que si je ne fais pas l'effort, je n'ai pas le temps. J'ai le temps. Je peux y arriver sans faire tous ces efforts. Mais si je ne fais pas les efforts... Si je ne montre pas que je veux à la folie, que je veux à la folie, que je vais au-delà de mes limites, j'ai rien. C'est pas que j'ai juste ce qu'il faut. J'ai pas la neshama, j'obtiens pas. J'ai pas Issachar, voilà. Issachar, c'est lorsqu'on va au-delà de ses limites. Issachar, c'est quelqu'un qui dit, mais ça suffit, moi je veux encore. Léa dit, je veux un 6e fils, mais ça va, un 5e fils. T'as déjà 4, c'est bon. C'est pas la peine. Non, je veux au-delà. Je veux aller plus loin. Ça, c'est Issachar. Ça, c'est Yegiyat HaTorah. Et ça, c'est Barech Hashem Chelo. Barech Hashem Chelo, le même verset. Le même verset est utilisé pour parler de celui qui veut s'adonner totalement à l'étude, au service divin, à la Avoda et la Torah. Le même texte, Barech Hashem Chelo. On l'a vu dans Zot Avracha pour parler des Chashmonaim. Les Chashmonaim, ce sont ceux qui nous montrent le chemin. Mais attention, c'est pas par hasard que ça se passe à ce moment-là. Parce qu'on est au début, on l'a déjà dit plusieurs fois, de la Torah orale. Torah orale, vous savez tous, elle a été donnée au Har Sinaï. On est tous d'accord là-dessus. On l'a tous reçue au Har Sinaï, simplement. La Torah orale va commencer vraiment à être apprise, se développer et prendre tout son éclat à partir de la période des Chashmonaïm. N'est-ce pas? À partir de Hanouka. Et c'est ça que symbolise cette lumière, cette huile qui brûle 8 jours, on va l'expliquer dans quelques instants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hanouka, c'est le moment où je dis à Kadosh Baruch Hu, en fait, j'ai pas besoin de faire plus, je fais déjà ce qu'il faut, mais là, je comprends que pour faire ce qu'il faut, il faut faire plus que ce qu'il faut. Pour arriver à ce qu'il faut, il faut faire plus. Il fallait au-delà. C'est que, à la limite, ce que je voudrais que vous compreniez là maintenant, ce que je dis maintenant. Là maintenant, vous êtes fatigué, par exemple. Vous avez envie de dormir. Vous dites que j'ai envie, je m'arrête. D'accord? Bon, je continue quand même. Bon, c'est comme ça. Vous dites, mais est-ce que je ferme l'œil, je ferme pas l'œil? À cet instant-là, vous posez la question, est-ce que je vais... Ça y est, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis morte, je suis fatigué, je travaille la journée. Et il continue à parler. Bon. Est-ce que je vais rêver, est-ce que je vais dormir, ou je vais aller au-dessus de mes limites? Quelque part, ma limite dit, a priori, ma limite, ça y est, c'est bon, là, ça y est, je m'endors. Et à cet instant-là, je vais au-delà. Cet instant-là, vous faites l'au-delà, vous êtes dans Issachar, et vous êtes dans Hashmonaïm, et vous êtes dans le déclenchement de tout ce qui s'appelle Torah Shebaalpé. La Torah Shebaalpé ne peut être acquise que par Mirut Shena. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est? Quel est le message? Ce que j'ai compris cette année, que je n'avais pas compris, c'est que ça a tout le sens du miracle de Purim. Qu'est-ce que c'est Purim de Hanouka? Le miracle de Hanouka, c'est quoi? C'est une fiole d'huile qui va durer 8 jours. Moi, chacun, je dis, bon, d'accord, on a fait un petit miracle, Sambat Yakazor, il a dit, voilà, c'est moi, je suis là, merci, shalom. Vous avez fait un petit signe, c'est ça? Ben, écoutez bien. Si vous avez une fiole d'huile qui, normalement, doit tenir une nuit ou une journée maximum, et elle dure 8 jours, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je calcule, moi, homme, combien j'ai besoin de dormir? Je vais chez un médecin, il me dit, vous avez besoin de dormir 8 heures, monsieur. Vous avez besoin de manger tant et tant de protéines, tant et tant de légumes, tant et tant de fruits.
et je fais exactement ce que le médecin me dit. Et je vais chez le rabbin, je dis, monsieur le rabbin, voilà, j'ai fait exactement ce que le médecin m'a dit. Vous savez ce qu'il dit à le rabbin ? Bravo, très bien. Il y a juste un problème. La Torah chez Baal Peh, l'acquérir, vous ne l'aurez pas. Vous serez un juif, on pourra irréprochable, on ne pourra rien vous reprocher, vous n'avez pas fait de avéra, vous n'avez pas fait de transgression sur quoi que ce soit. Vous arriverez là-bas, on vous dira le Gan Eden, peut-être. Mais il y a juste une chose qui vous manquera, vous ne détiendrez jamais l'éclat, la Torah orale, vous ne l'acquérirez jamais. C'est impossible d'acquérir. Impossible de l'acquérir dans ces conditions-là. Mais ça va, je fais les choses comme il faut, je ne perds pas mon temps, lorsque je suis à l'eau. C'est l'air, je ne perds pas une seconde. Oui, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le miracle de Hanouka, c'est quoi ? C'est qu'une fiole d'huile qui doit durer 24 heures et 18 jours, ça veut dire quoi ? On a la même énergie, parce que qu'est-ce que c'est l'huile ? C'est de l'énergie. Cette énergie-là, qui normalement devrait durer 24 heures, dure 8 jours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à cada fois qu'on nous dit, il y a en toi des ressources. Vous entendez ? Deux hommes qui sont nés le même jour, qui ont le même âge, il y en a un qui arrive à dormir 2 heures par nuit, et le même à côté, il a besoin de dormir 8 heures. Quelle est la différence entre les deux ? Manishtana. C'est que l'un, il puise dans de l'huile qui ne s'éteint jamais, d'accord ? L'huile qu'il a en lui, cette énergie qu'il a en lui, lui permet de durer 8 jours, 8 heures, 28 heures, 36 heures, alors que l'autre, après 4 heures, il est fatigué. Pourtant, c'est la même quantité d'huile, c'est la même énergie, la même force. Non, celle-là, elle dure 8 heures, 8 jours, et là, ça dure 1 jour. Comment c'est possible ? Comprenez bien, Rodaï, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en nous deux dimensions. Soit la dimension de celui qui fait les choses réglo, mais sans plus, soit celui qui dit, je vais aller au-delà. Vous allez me dire, mais franchement, pourquoi on a besoin d'aller au-delà ? Qui nous a dit que c'est nécessaire ? Mais qui ? Mais pourquoi ? D'où ça vient cette histoire ? C'est pas la peine, tu fais réglo, t'es bien, t'es sérieux, tu fais les choses quand il faut, comme il faut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'as raison. Il y a juste un problème. Un seul problème. Un problème des guématria. Je sais pas si vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous avez ici dans votre feuille, regardez bien, vous avez dans la page 3, référence 6. Vous voyez bien ce que veut dire cette matria. C'est le Maharal qui est dans cette matria. Il dit Yavan, c'est 66. Et Hechal, c'est 65. Ah, Yavan, il a un point de plus que le Hechal. Bon, vous l'avez dit, c'était pas le Maharal. Je dis bon, c'est gentil, c'est mignon. Mais le Maharal dit non. C'est pas n'importe quoi. Yavan, les Grecs, sont rentrés dans le Hechal, le sanctuaire, et ils ont rendu impur les huiles. Donc Yavan a pris le dessus sur le Hechal. Ah oulala. Alors comment on en est sorti ? Eh bien parce que dans le Kodesh HaKodashim, ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont pas souillé le Kodesh HaKodashim. Et le Kodesh HaKodashim, c'est quoi ? C'est la fiole du Kohen Gadol. Celle-là, ils n'ont pas touché. Vous savez la fameuse fiole qu'ils ont trouvée avec le Chotem et du Kohen Gadol. C'est quoi le Kohen Gadol ? C'est celui qui rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Les Yevanim, ils peuvent toucher le Kodesh, l'endroit où il y a le Shulchan, la Menorah, le Miser, ça ils peuvent y rentrer. Mais dès de l'autre côté du Parochet, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Arona Kodesh, le Ben Shetia, ça, ils ne peuvent pas entrer. Là, c'est le Kodesh HaKodashim, il ne peut pas toucher. Cette partie-là, Yavan n'entre pas. Yavan a pris le dessus sur le Hechal, mais il n'a pas pris le dessus sur le Kodesh HaKodashim. Ah, Kodesh HaKodashim, j'ai vu cette phrase quelque part. Ah oui, c'est dans Shmita Ve'Yovel Rambam. Areze Nit Kadesh, Kodesh Kodashim. C'est vrai que le Rambam, il ne dit jamais les choses en plus. Arezin Kadesh Kodashim, celui qui décide de tout laisser tomber, de mettre tout en l'air. Il dit, moi, je sers à Kadosh Baruch Hu depuis le matin jusqu'au soir et même la nuit. Arezin Kadesh Kodesh Kodashim, Beyashem Chelko Vanachanato Leolam. Il y a une Bechina de Kodesh HaKodashim où Yavan ne touche à rien. Il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas y toucher. C'est Kodesh HaKodashim. Là, on ne peut pas y accéder. Ça, c'est au-dessus du Kodesh, au-dessus du Hechal. Ça, on ne peut pas y toucher. Et ce Kodesh HaKodashim, comment on y arrive ? Et comment on y accède ? C'est interdit, il y a un parochet. Kol ish va ish. Mi kol ba yolam asher natva ruchoto. Natva, c'est quoi Nedivut ? C'est le don. C'est un homme tout simplement dévoué. Un homme qui veut donner. Voilà. Il sent qu'il veut tout donner. Tout offrir. Vevino mideo lehibadel. Hevino mideo, c'est pas quelqu'un qui en a dit depuis le petit jeune âge, c'est quelqu'un qui l'a compris de lui-même. Il réfléchit, il dit, moi je veux, je sens au fond de moi cette flamme, cette énergie, cette volonté, je le sens. Alors, l'Ivadev, l'Amor Ivnachem Rosorto,
Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Chelek venachalato, tu es Kodesh Akodashim, tu fais partie de c'était dans mon groupe. Tu fais partie du par Shel Kohen Gadol. Cette petite fiole avec le seau du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh Akodashim. Eh bien, ce seau-là, cette fiole n'est pas touchée par les Yavanim. Mais dès que tu es de l'autre côté, tu es dans le domaine de Yavan. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait la Torah comme il faut, c'est-à-dire en déshoraire, en respectant, etc., sans la folie, sans le don de soi, sans le dévouement, sans la Messirut Nefesh, qu'est-ce qu'on est? On est avec Yavan. Et Yavan, c'est des fois, il nous bouffe. Parce que Yavan, il commence à discuter avec nous, il nous dit, bah écoutez, mais qui me dit, et pourquoi? Il met le doute. Par contre, si on arrive au Kodesh HaKodashim, là, Yavan, il ne peut pas toucher. Là, Yavan, il souhaite la ferme. Pourquoi? Parce qu'on est dans une autre perception des choses. On est dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, c'est plus dans la discussion, c'est pas ça me plaît, ça me plaît pas, c'est plus dans la raison. On est au-delà de la raison. On est dans le dévouement. Là, on est dans le 13 des 13 Hashmonaïm. Il y a 12 Hashmonaïm plus le Elazar. On est dans 13. 13, c'est Ahava. Dans Ahava, il n'y a plus de question. Mais si on n'est plus dans Ahava, si on est dans la raison, si on est dans la raison, à ce moment-là, Yavan, il peut, les 66 de Yavan, prendre le dessus sur Echal, valeur numérique 65. Et vous savez ce que c'est être de l'autre côté dans le Kodesh HaKodashim, c'est Bina. Et Bina, hein, 67. Bina, valeur numérique 67. Ça veut dire qu'on a dépassé Yavan. Un de plus que Yavan. Et Bina, c'est qui? C'est Bene Bina Yeme Shmona Kavu Shironanim. Les Hashmonaim sont Bene Bina 67. Et c'est quoi Bene Bina? Bina, c'est un nom composé. Ben, Yud, Ehe. Vous prenez le mot Bina, c'est Ben, Yud, Ehe. C'est quoi Ben, Yud, Ehe? Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. C'est fin, j'espère que vous allez bien comprendre. Le fils de Yud, le Yud et le He, j'ai dit 650 millions de fois, vous le savez tous, c'est le Yud de Ish et le He de Isha. D'accord? Ish, il a le Yud, Isha, il a le He. Le Yud et le He, c'est Ben Yud He. Ça veut dire, c'est la symbolique de la fécondation, de la relation entre deux êtres qui ne deviennent qu'un seul être et qui créent un troisième être. C'est la symbolique du mariage. Si dans le mariage, vous venez dire à madame, je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais juste ce qu'il faut, pas plus, ni moi, moi, mais je fais juste ce qu'il faut. Pas de folie. Pas de yudhé, il n'y a pas de ahava. C'est juste, c'est écrit dans la Torah qu'il faut se marier. Vous dites à une dame, écoutez madame, je voudrais accomplir la mitzvah de la Torah de Piria de Rivière. Êtes-vous d'accord de me prendre pour époux? Soyez d'accord d'être mon épouse? Pas de romantisme, rien. Sec. Au moment du mariage, Gareni, on est Rekayem, faites ça, vous faites tout un texte. Bon, elle se dit, cette femme, c'est quoi ce monsieur? Il me prend pour un étrog, pour un... Voilà. Cette féline, il a fait un truc, voilà. C'est ça l'idée, non? Je sais pas si ça va marcher dans l'ancien mariage, j'ai un petit doute là-dessus. D'accord? C'est un refet shel mitzvah. Sa femme, c'est refet shel mitzvah. Un objet de mitzvah, pour pouvoir faire la mitzvah de Péria de Rivière. Magnifique comme approche, très romantique. Ça n'a pas marché. Le Yud et le He qui s'associent, c'est beaucoup plus qu'une simple organisation. C'est une fécondation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fusion entre ces deux. Et pour qu'il y ait fusion, il ne peut y avoir que dans la dimension de la Ahava. Et ça, cette fusion-là, elle est mise en valeur à Hanouka par la Torah chez Baal Peh grâce à la dimension de l'huile qui ne s'éteint pas. C'est-à-dire quoi? C'est que les gens se disent, mais moi je peux pas, c'est pas possible, c'est dangereux pour la santé, dangereux pour la santé. Je ne peux pas, monsieur le rabbin, je vous dis, dormir moins, je ne peux pas, c'est dangereux pour la santé, voilà. Lorsque tu passeras au-dessus de tes limites, tu peux dépasser tes limites, et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai demandé à un médecin, il m'a dit que scientifiquement, il est prouvé que l'on peut dormir 4 heures par nuit. Scientifiquement prouvé, simplement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, il faut le faire par palier. Il faut lentement, etc., passer, pour arriver à cette heure. Vous n'êtes pas obligé de dormir 4 heures par nuit, je suis juste en train de vous dire que quelqu'un qui vous dit c'est dangereux pour la santé, c'est pas vrai. Il y a un moyen scientifique pour y arriver. Est-ce que tout le monde est obligé de le faire? J'ai pas dit ça. Je comprends que c'est une élite. C'est une élite qui le fait. On est d'accord. Mais cette élite, quel est son message? Elle dit, moi je dois démontrer que l'énergie que j'ai en moi, l'huile qui est la même que celui de mon voisin, eh bien elle brûle
beaucoup plus longtemps que celui-là. Lui, il s'endort après 2 heures. Moi, je suis capable d'étudier 20 heures. Je ne sais pas si vous avez entendu, le stapler, il étudiait 36 heures d'affilée. Et après, il dormait 12 heures, beaucoup de gens. Mais il étudiait, il est capable de dormir. C'est impressionnant, je ne sais pas comment il faisait. 36 heures, prier, étudier, j'imagine aussi. Et prier également. Mais 36 heures, après, il s'effondrait, etc. Mais qui arrive à rester réveillé 36 heures? Je ne sais pas, c'est même pas imaginable. C'est pareil, étudier et prier pendant 36 heures d'affilée, c'est même pas imaginable pour nous. 8 heures, c'est déjà pas imaginable. 5 heures, on n'y arrive pas. 2 heures, elle va et qu'on arrive 2 heures à rester concentré. Vous comprenez? C'est énorme. Pourtant, c'est la même huile, on est fait de la même façon. Mais il y en a une qui brûle plus longtemps. Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce qu'il y a Yissachar. Il y a une volonté de Léa d'aller vers Yaakov. Yaakov, finalement, il est ému. Yaakov, il dit, mais c'est trop fort cette Léa, elle veut tellement avoir un enfant. Akadosh Baruch Hu dit, ah, elle veut tellement féconder. C'est comme si Akadosh Baruch Hu dit, je suis tellement ému par cette attente, cette envie, qu'Akadosh Baruch Hu, il déverse sa chokhma. Et la chokhma arrive comme ça. Ça, c'est Bina. Bina, c'est Ben Yudke, celui qui est le fils d'une fusion entre Mashpia et Mekabel, entre celui qui donne et celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit, il veut tellement recevoir qu'Akadosh Baruch Hu, il veut faire autre chose que de lui donner. Vous comprenez ça? Ça, c'est le sod. C'est que Rav Odi Yosef, je reparle encore une fois de lui, c'est vrai qu'on est tous impressionnés par sa mémoire. Parce que de pouvoir mémoriser autant de Maré Mekomot, de chapitres, de Sfarim, je ne connais pas d'autres Rabbanim qui a une telle mémoire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et un jour, quelqu'un m'a raconté quelque chose d'incroyable. J'ai du mal à croire ce que je vais vous dire, mais je vais vous raconter quand même. Bon, si c'est faux, c'est faux, tant pis. Que pendant que son fils, le Rav Yitzhak Yosef, écrivait le Yadkut Yosef, il se parlait très régulièrement au téléphone. Et je crois tous les jours. Il lui posait des questions, qu'est-ce qu'il faut écrire là, comment écrire, etc. Et on le voyait chaque jour rechercher son carnet de téléphone pour retrouver le numéro de téléphone de son fils. C'est quoi? Lui, il a besoin d'un carnet de téléphone pour retrouver le numéro de téléphone de son fils. Mais il a une mémoire de malade. On lui a dit, mais Rav, vous avez une mémoire de malade, comment c'est possible? Il a dit, c'est pas vrai, j'ai pas de mémoire de malade. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime la Torah. C'est tout. Et ce qu'on aime, on n'oublie pas. Et sans cet amour, il ne se rappelle pas. Ça a l'air, oui, franchement, j'ai du mal à croire. Vous savez, bon, je vous dis la vérité. Mais je vous raconte cette histoire. Je ne sais pas d'ailleurs qui je l'ai entendu. Oui, je sais qui je l'ai entendu. Donc, je ne sais pas de lui d'où il l'a entendu, ce n'est pas en direct. Je poserai la question à Rav David Yosef qui arrive ce dimanche ici à l'Ève. Je lui poserai la question pour voir si elle est vraie cette histoire. Parce que c'est vrai que cette histoire, elle résume tout. C'est-à-dire, si c'est vrai cette histoire, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas de la mémoire, c'est de l'amour. Et qu'en fait, quelqu'un qui aime tellement ça, Akadosh Baruch Hu dit, bon, il faut que je lui donne, c'est pas possible, je vais lui offrir, je lui offre, et il lui donne quelque chose qui est au-delà, moi je trouve que c'est au-delà de la personne surhumaine, de se rappeler d'autant de références, avec autant de précision, je sais pas, moi je trouve ça complètement inhumain, c'est au-delà de la truc humain. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'en fait, les Hashmonaïm de Nebina, et ce qui se passe avec Léa et Yaakov, c'est tout ça le même sujet, le même Inyan. Très bien. Maintenant que vous avez compris tout ça, je prends un passouk que vous avez ici. Regardez avec moi ce passouk. Page 2, à la Bereshit, chapitre 49, verset 14. Issachar, Chamor Gorer, Rovet Ben Amishpetaim. Issachar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. Vayar Menucha Kitov. Il a goûté le charme du repos et les délices du pâturage. Il a livré son épaule au jour et il est devenu tributaire. Alors là, incroyable, inimaginable. On vous dit que Issachar, il a vu combien le repos était bon. Il a vu combien ça. Il avait un terrain très fertile. Il avait des terrains très fertiles. Et Issachar, il s'est dit, oh là là, que c'est bon le repos. Conclusion, qu'est-ce qu'il fait? Vayehi le mas ovel, il a pris livré son épaule au jour et il est devenu tributaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est devenu tributaire de quoi? Qu'est-ce qu'il fait Issachar toute la journée? C'est un possek alacha, un décisionnaire d'alacha. Vous savez, les juifs, ils sont complexes. Ils vous posent une question, ils ne vous lâchent pas. Ils vous rendent fou. Et lorsque vous donnez le sac à l'acha, ils vous disent, mais pourquoi lui il a raison, et pourquoi l'autre il a tort, et pourquoi le machin, ils vous rendent fou. Donc prendre sur soi de rendre des décisions à l'achrique, c'est un suicide. Alors, Issachar, qui voit qu'il a une terre magnifique, que la menoucha, le repos, c'est bien, qu'est-ce qu'il prend comme décision? Ben moi, je vais devenir Dayan. Mais c'est une folie. Au contraire. Farniente. Menoucha.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a vu que la menoucha était bonne, donc il a pris sur lui énormément de travail. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez ce verset? C'est la bracha de Yaakov à Yaïtra. Et c'est là que Rav Shapira m'a expliqué quelque chose de magnifique. C'est quoi la menoucha? La menoucha, ce n'est pas le repos, ce n'est pas ne rien faire. C'est quoi la menoucha? Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez tout comprendre. Imaginez-vous que vous passez prépa, HEC ou prépa des grandes écoles. Ou bien la première année de médecine. Je pense que certains l'ont fait ici. On m'a raconté qu'il n'y a ni jour ni nuit, il faut travailler d'arrache-pied, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un concours, et que c'est très serré, et que c'est pas facile de passer. Lorsqu'après des mois et des mois de travail d'arrache-pied, on vous dit, vous êtes passé. Vous avez gagné, vous êtes pour vous rentré. Quel sentiment vous avez dit? Vous imaginez la respiration après ces mois où vous avez mis... Moi j'ai vu des gens passer, donc certains préparent. Je me disais, à la veille que je sois madmi dans la Torah, comme eux ils sont. À la fin du Shabbat, il n'y avait pas fini quoi, juste l'heure, le première heure de la fin de Shabbat, tac, vite, tout de suite directement sur le livre. En train d'écrire, machin. C'était des matmidim comme je n'ai jamais vu. Sans arrêt. Pas de vacances, pas de machin, juste. C'est magnifique, franchement, quelle nessirut nefesh pour avancer. Pourquoi? Alors j'imagine, après ces quelques mois, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Voilà, j'ai réussi. Je peux me reposer parce que j'ai vraiment travaillé dur et je mérite. Franchement, j'ai gagné, je mérite. Menoucha. Ce sentiment que vous ressentez, c'est pas quelqu'un qui se prélasse. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir réussi un gros travail et après il prend son repos. Et il goûte quelque part rétroactivement. Ah, finalement, tout ce travail, maintenant je ressens le bonheur, le bien-être. Ça, vous imaginez ce sentiment-là? Peut-être certains ici l'ont vécu. Bon, moi j'ai passé le bac, seulement le bac. Mais bon, moi la vérité, je voulais rentrer à Bonneville. C'était aussi très difficile de rentrer. Je me suis fait interroger par deux ou trois rabbinis, mais je vais introduire je ne sais pas combien de pistons. C'est très dur. On n'était que quelques-uns à rentrer. C'était la bataille. Là aussi, j'ai senti une grosse bataille. Il a fallu que je prépare des trucs, des machins super compliqués. J'ai senti, ah, mais nous, je suis rentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on sait ce que c'est la menoucha, on comprend qu'il faut livrer un combat. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, ça veut dire. Si on savait ce que c'était la menoucha dans l'Olam Haba, c'est quoi la menoucha dans l'Olam Haba? C'est pas le farniente. C'est ressentir le fruit de tout un travail et sentir combien tout ce travail, tous ces efforts se transforment là-bas, vous voyez, tous ces efforts se transforment là-bas en une dimension de menoucha. C'est-à-dire je ressens le bien-être d'avoir travaillé tout ce moment. C'est-à-dire que c'est pas que je ressens les conséquences de ce travail. Le travail lui-même m'apporte la menoucha là-bas. Donc celui qui sait quelle est la menoucha du Olam Haba, c'est ce qu'il fait sur Terre, il n'arrête pas une seconde de bosser. Il bosse, mais ça suffit, t'as compris la Gemara, non, encore une fois. Mais ça a été le plus fort aujourd'hui, il n'y a personne qui est aussi fort que toi dans ce monde. Non, je continue, je refais encore une fois. Mais ça suffit, t'es bon, t'es fort. Non. Parce que moi j'étais, encore une fois, à la fin de sa vie, j'ai rien dû dire, mais stop, arrêtez-vous, vous êtes à la retraite, c'est bon. 93 ans, 92 ans, vous êtes à la retraite, arrêtez de bosser comme ça. Je voulais lui parler, il était entre 9h et 13h, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas venir à Maharet, je lui dis, oulala. Je ne peux pas venir un ignorant, il me fait comme ça. Entre 9h et 13h, je ne peux pas recevoir du monde, sinon je deviens un ignorant. Je dis, oulala. Après, l'après-midi, eh non, je suis pris entre telle heure et telle heure, il a son CDR, il ne bouge pas. Jamais il recevait à certaines horaires. Même, voilà, peu importe qui c'était. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit, mais